Salut la team, j'ai vu l'épisode 2 de Hello et comme d'habitude je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une petite critique et on commence dès à présent, let's go Welcome to Rubble le voyage de Master Chief et Quan A, après l'ordre 72 dans la colonie anarchique pour chercher refuge, sert de toile de fond à un deuxième épisode fort qui dévoile davantage John et les plans naissants des convenantes. Ce n'est pas à 100% gagnant, cependant, Unbound reste aux prises avec de graves problèmes en forme d'UNSC et maltraite l'un des meilleurs personnages du premier épisode. Hubble est une dystopie, ses citoyens se bousculent et s'affairent, les tours grincent sous le poids du commerce. La maison de tous les inadaptés, réprouvés hors la loi et renégats de la galaxie, Balance Soren 066, Bukim Woodbin, l'ancien frère d'armes de John. L'un des flashbacks d'ouverture voit John et Soren dans un centre de formation spartiate des décennies avant les événements de la série. Les deux sont à la croisée des chemins. Soren décide d'échapper à une vie de guerre, mais Master Chief refuse de le rejoindre. En un instant, la dynamique yin et yang entre la paire est intelligemment établie et continue lentement de nous montrer la vraie nature de John. Le reste de l'épisode traite de Master Chief dans Rubble, luttant pour donner un sens à un avenir de plus en plus incertain, le tout sans que quelqu'un aboie des ordres à ses oreilles. Chaque petit extrait présenté jusqu'à présent a soigneusement peint l'image d'un personnage plus complet que celui qui est tombé et a donné un coup de pied aux convenantes sur la planète Madrigal lors du premier épisode. Master Chief ne sera jamais aussi complexe que, disons, un Walter White, mais les créateurs de la série ont déjà transformé ce qui aurait pu être une caricature de puissance fantastique en quelque chose de plus profond et de plus émotionnellement résonnant, qui n'existait pas dans les jeux. Prenez place entre Soren, grignotant des fruits débordant de joie de vivre, et le stoïque John. Au cours de la conversation, on découvre que les émotions de John ont été réprimées grâce à une pastille à l'arrière de son crâne. Un personnage principal privé d'émotions est une demande assez difficile pour n'importe quel acteur, mais Pablo Schreiber continue de faire un excellent travail en acceptant lentement les pensées et les sentiments de Schiff en dehors du protocole de l'UNSC. Alors, oui, il enlève son casque dans le premier épisode, mais ça ne peut ne pas convenir à certains fans de Hello, mais il est bien utilisé jusqu'ici. Vous pouvez voir la douleur dans les yeux de Schreiber chaque fois qu'il parle à Soren. John est peut-être un homme de peu de mots, mais la tristesse qui envahit le visage de celui-ci est tout ce qu'il faut. Soren, tel que Onbone le présente, est un avenir possible pour le Master Chief une maison, une femme, un fils et surtout. Pas d'armure, reste à savoir si c'est une opportunité que John saisira à plein de mains. Ailleurs, les forces et les faiblesses du deuxième épisode, ainsi que celles de la série dans son ensemble, peuvent se résumer à une histoire de deux comités. Pour le premier, on voit Maki demander conseil aux fanatiques religieux des convenantes, les prophètes. Après avoir brièvement discuté de l'artefact que Master Chief a maintenant emporté avec lui à Rubble, Maki décide de s'en occuper elle-même. La réunion de la lance est un récit d'une simplicité trompeuse et efficace. Il établit des miettes de pain et met deux éléments en feu, John et Maki, sur une trajectoire de collision imminente. Quels que soient les défauts de la série à ce stade précoce, elle sait comment nous faire revenir. Les complots de l'UNSC, quant à eux, sont à l'opposé, un mal nécessaire qui pompe les vérités sans compromis du conflit. La guerre est menée autour des tables de conférences autant que sur des champs de bataille de manière très fade. Et ici, ce n'est pas différent. Alci va au-dessus du pouvoir et introduit le concept de Cortana, une intelligence artificielle qui peut être utilisée pour mettre Master Chief au pas et prendre des décisions pour lui. Malheureusement, pour un moment qui stimulera l'imagination de ceux qui connaissent le matériel source, il est livré à travers un langage militaire confus dans des chambres froides et stériles. Le dernier tiers de l'épisode est également un peu faible à partir du moment où Soren emmène John voir l'expert des convenantes Rhett, une configuration plus cliché pour Master Chief en tant que sauveur de la galaxie est mise en place. Avec l'artefact activé, le chef retourne à l'UNSC, un Quan A interrompt et demande Est-ce que je n'ai pas mon mot à dire Et elle n'a pas tort, la grande déception du deuxième épisode est que la survivante de Madrigal est presque complètement mise à l'écart alors qu'elle est l'une des lumières les plus brillantes du premier épisode. À cet égard, le deuxième épisode est inégal, Master Chief est mis en avant plus que Quanua et du coup ça casse un peu la dynamique du premier épisode et la série prépare bien le terrain pour l'introduction de Cortana. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le second épisode de Hello. J'essaye de pas trop vous en dire car ça arrive bientôt sur Canal, et je pense que vous allez aimer aller voir les épisodes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont débarquer. En attendant, je te souhaite une bonne matinée ou un bon après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Hasta la vista. Thérapie geek. Thérapie geek thérapie geek thérapie, thérapie geek, geek.